Commencer une vidéo en bâillant. Pourquoi pas? Yo tout le monde, c'est Wesh92, j'espère que vous allez bien. Play your tu l'aimes ou quoi? Yo tout le monde, c'est Mizuka. On est là pour le Eieno Raimaru. Un tuto? C'est pas vrai. Oui, c'est quoi tout ça? Bah c'est ce qu'on leur réserve. À qui? Bah aux abonnés. Je rayonne, je rayonne. Mais c'est dégueulasse. Yo tout le monde, c'est Wesh92. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère toujours, mais non. En fait, je sais que vous allez bien. Moi, ça va tranquille, ça va pour le mieux. Même plus mieux meilleur. Oh, je blague, je blague. Non, mais franchement, je vais super bien. Pourquoi? Ben, simplement, ben... Je suis content que ce Play Your Pix vous plaît, parce que moi je voulais juste vous faire plaisir, donc je suis super heureux que ça plaise autant, et qu'on m'envoie justement, juste après le premier épisode, autant de dessins. Je me suis dit, bah tiens, ils ont tous envie de montrer ce qu'ils savent faire, et là aujourd'hui, bah, j'ai choisi un dessin, sincèrement, il est juste énorme, voilà, donc... Voilà, je vais claquer des doigts parce que à mon avis vous ne voyez pas. Voilà, maintenant vous le voyez. C'est Pinois Francis. J'espère que je le dis. Alors on va bien le dire. Pinois Francis. J'espère que je l'ai bien dit. Normalement ça se prononce comme ça. Donc tu m'as fait un Hinata. Une Hinata, on va dire ça comme ça. Absolument magnifique. Sincèrement, quand j'ai vu le dessin, j'ai dit waouh. Franchement, juste magnifique, j'adore. Trop bien dessiné. Je sais pas comment... J'allais dire, je sais pas comment tu fais, mais bon, à mon avis, t'as utilisé un crayon, non? Je sais pas, enfin bon. Et il y a deux, en plus, tu m'as envoyé deux versions, donc colorées, que vous voyez là, et puis la version noir et blanc, que je trouve aussi épique que celle en couleur. Même si le noir et blanc, je trouve que ça fait plus ressortir un peu le dessin. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais bon. Je trouve, en noir et blanc, ça donne beaucoup mieux. Et en plus, For Wesh 92, ça fait super plaisir. Par contre... Si toi qui as écrit ça à la main, t'as une main de maître. Hein, déjà que le dessin est magnifique, mais alors le dessin, l'écriture, Wesh92, tout ça, waouh. Franchement, je sais pas qu'est-ce que t'as utilisé comme pinceau, mais c'est au cute. Ensuite, j'avais juste une petite. Franchement, les gars, petite parenthèse, vous m'envoyez plein de dessins, mais alors j'ai une question. Votre écriture? Non, parce que. Les gars, vous écrivez comme des cochons, quand même. Il y en a, ils ont des écritures de cochons. Là, vous me faites grave délire, parce qu'en fait, je suis en train de me dire... Attends, le mec, il s'est tué pendant 2 heures à faire un dessin. Par contre, je sais pas, Pinois Francis, tu me diras combien de temps t'as mis pour faire ce dessin, parce que c'est juste magnifique. Franchement. Moi, je donnerais un bon 2 heures pour faire ça, parce que, waouh, il y a des ombres et tout, il y a tout. Enfin, bref. Vous mettez, admettons, 2 heures, bah voilà, 2 heures pour un dessin. Vous êtes droitier? Vous avez mal à la main droite? Et après vous dites, oh, y en a marre, et, oh non, je dois encore écrire, j'ai encore signé et mettre ForWesh92. Et bien vous utilisez la main gauche, ou alors le pied, on sait pas jusqu'où ça va. Et alors vous me sortez des écritures épiques, franchement, de toute façon dans les prochains épisodes vous verrez. Et vous verrez que c'est vraiment énorme. Non, puis moi Francis, ça va, c'est propre, j'aime bien. Donc franchement j'adore. Donc moi ce que je propose, Pinois Francis, c'est qu'on y va avec... Hinata, on y va et on déchire tout dans le multi. Voilà, comme ça, on va transformer ce dessin, on va le rendre vivant. Voilà, on va rendre vivant ce dessin, c'est bien dit ça. On va rendre vivant Hinata. Vivant Hinata. Bah écoutez, on se comme d'hab, hein, tout de suite avec mon adversaire, les gars. Bon, avec ma poisse, ça doit soit être un spammer, soit un mi-spammer, soit un semi de mi-spammer, vous voyez, un truc dans le genre, quoi, pas loin. Bref, je rigole, on y va les gars, c'est parti. Alors donc, on se retrouve avec Avenger Ninja. Alors, statistique, Kakashi Enfant, Hidan et Hanzo. J'ai peur. Alors j'espère que vous avez vu ma petite image là de Hinata, dédicace. Pinois Francis, c'est pour toi. Allez, on va voir ce que ça a donné. Et moi j'ai un petit peu peur du Kakashi petit. Je sais pas, je m'entends pas bien, je l'ai déjà dit hein. Je m'entends pas très bien, mais c'est lui hein, qui a commencé au départ. Enfin bref. Alors, on a de quoi choisir en ce qui concerne Hinata. Bon, par contre, je suis pas trop fan de celui-là.
Il y en a une liste de... Je sais qu'il y a des petits coquins qui voudraient que je le prenne. Bon, c'est possible que je le prenne, franchement. C'est possible. Mais on va commencer doucement avec Hinata, normal, tranquille. Et Naruto en mode ermite, en offensif par contre. Et ouais, on va le prendre comme ça. Je trouve que c'est une bonne team. Franchement, j'adore. Donc la team version combat contre Pain. Et franchement, j'aime bien. Alors, bon, les persos. Moi, je mise un Kimimaro en soutien avec un Kakashi petit en personnage principal. Suspense. Suspense. Ah ben non. Ben non. La team... enfin bref, une team... voilà, de Konoha, on va dire. Ouais, Neji, ça va être très dur, mais bon, on a l'habitude, on va essayer de faire quelque chose de propre. Donc, bonne chance à toi, Avenger Ninja. Pino Francis, je vais essayer de te faire honneur avec Hinata. Ouais, on va essayer de faire ça bien. On va essayer de faire ça du mieux qu'on peut. Il y a Naruto avec nous. Entre guillemets, Naruto, Nargakuga 13, t'as la dédicace. Allez, c'est parti. La force des dessins est avec moi. Bon. Ok, il a tenté le petit Rasengan. Ouf, ok, en fait, attention. Spécialiste de Rasengan, après le Chidori. Rasengan, je m'en fous de tes Fuma. Bah allez, on va peut-être pas... Regardez, regardez, regardez. J'espère qu'il va changer d'attitude maintenant. Parce que je lui ai fait une fleur, j'espère qu'il va changer d'attitude, on va voir. Maintenant, on va essayer d'attaquer. Pardon si je respire un peu comme un... La petite esquive. Voilà. Peut-être qu'il va permuter. T'aurais pas dû, mon pote, désolé. Il va essayer d'envoyer Neji, je pense. Petite connexion, je suis désolé, les gars. Ça. Bon. Bon, j'ai essayé de l'atteindre. Voilà, calme-toi, Hinata, calme-toi, elle nous fait des petits, une petite danse. Bon, je vais essayer de me ressaisir parce que là, je me laisse attaquer. Ah, ça c'était pas voulu. Bah, c'est parfait. Non, t'as raté la chope, hein, c'est. Allez, Naruto qui. Allez, on va faire un petit stick. Aïe, 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 aïe. Non, mais calme-toi avec tes Chidori, mais. La preuve que je me suis fait. Ah ouais, le défensif, ça va être... Calme-toi, il faut prendre un petit peu de chakra, mon pote. Bon, c'est un peu difficile, je vous l'avoue, c'est un peu difficile. Surtout qu'il est... J'ai failli envoyer un petit X. On se concentre, la connexion, c'est pas ça du tout. Waouh, quoi. Le mec, il a tout pour lui. Je vais attendre que son défensif s'en va, sincèrement. Ok, c'est bien. Moi, je t'ai rien fait, hein, Sasuke. Bon, je vais attendre vraiment que son... Ah ben... Bon, il veut pas lâcher. C'est vrai que j'avais l'éveil. Bon, par contre, tu commences à m'énerver un petit peu avec tes petits Fuma. Ah, la garde va se péter, mon pote. Oh mince, ça c'était pas voulu. Bon allez, franchement, il commence sincèrement à me gaver un petit peu. On est là, on est calme, mais bon. Oh là 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 là. Allez, tu prends des deux en même temps. Mais... Ce mec est abusé. Allez, combo complet avec Hinata. Et alors, vu qu'il voulait jouer, voilà, je la dédicace cette partie. Allez, il fallait pas faire ça avec moi. Je suis le pire. Je suis. Oh oh oh. Allez, voilà, il fallait pas jouer avec moi. Non, 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 non. Non. Oh, j'ai gagné, voilà. Écoute, Avenger, voilà, c'est ce qui arrive quand on veut jouer au malin. C'est comme ça, mon pote, je suis désolé. J'ai fait mon possible, les gars, il était injouable. J'ai peut-être... C'est ma première partie de la journée. Donc, voilà.
je sais pas, soyez indulgents, sincèrement, c'est ma première partie, en plus je tombe contre un mec, je décris un peu enfoiré quoi, un petit peu enfoiré, juste un petit peu, franchement c'est juste un petit peu quoi, mais bon, j'ai fait ce qu'il m'a fait quoi, voilà, c'est ne fais pas à l'autre ce qu'il n'aimerait pas qu'il te fasse, mais pour le coup, je lui ai fait la même chose, donc titouille mon pote, je suis désolé, c'est comme ça, Avenger, bon, trop de fuma, tu le fumas. Trop de fuma, trop de kunai, tu les kunai aussi, c'est la même chose. Donc Pino Francis, on va refaire une deuxième, je vais essayer d'être un petit peu plus actif. Je sais que cette partie n'était pas magnifique du tout, avec des petits bugs de co. On va essayer de faire quelque chose de mieux, deuxième partie, tout de suite les gars, c'est parti. Alors, donc on se retrouve avec Linksoft, statistique, Sasuke, Kirin, Haku et Madara. Par contre son image, j'adore. Il est rang 38, donc c'est pas mal du tout. On va essayer de faire quelque chose de bien, de potable, mieux que le premier, parce que bon, c'était pas trop ça en même temps, quand le gars en face n'est pas terrible, forcément le combat n'est pas terrible. Enfin bref, on va prendre donc Hinata, j'ai choisi donc écolière, c'est plutôt mignon, avec Ino écolière aussi, je vais la prendre en offensif, et Sakura en écolière, ça nous fait 3 girls en écolière, c'est stylé, c'est mignon, c'est cute, allez. Tu me sors une bonne map, mon pote. Ouais, ça j'aime bien. Nickel, nickel, nickel. Allez, j'espère qu'il n'y a pas de Kimimaro dans le rôle comme ça. Kisame. Oh là là. Kisame. J'espère qu'il le joue bien. Parce qu'il y a des façons de jouer Kisame qui sont juste insupportables. Alors, on va voir ce que ça va donner. On va esquiver parce que monsieur frappe direct. Regardez, regardez, on se croirait à la foire. Regardez, regardez. Allez. C'est insupportable, je vous... Non, non, non. Allez. Ouh là 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 là, ça, c'était pas voulu les gars, fausse manip. Mais je suis tombé sur un spécialiste ou c'est moi? Allez, on esquive. Ah bah non, ça marche pas en l'air. Allez, là on essaye de... Un petit combo complet. Oui, j'espérais qu'il envoie son petit Itachi histoire que je le supprime. Je vais attendre que le... Allez, il est à moi maintenant. Allez, avec suivi d'un statistique et on continue. Combo complet, on lâche plus et la barre de vie qui est juste épique, on le reprend. Non. Toi, tu restes ici, tu fuis pas mon pote. Mais qu'est-ce qu'elle fait Hinata? C'est par là le combat. Non, 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 non. Allez, tiens. Kamehameha mon pote. Voilà comment punir. Franchement, des mecs comme ça, je m'en passe. Sincèrement, je m'en passe. Changer de style, quoi. Merde. Mais que rond. Mais vous avez vu, les gars. Hein, je l'ai... Franchement, c'était... On aurait dit... Allez, là, vous voyez, déjà, il y a le contexte, un petit peu nature derrière. On était là, dans la nature, en train de je sais pas, de mater un animal. Un petit peu chelou. Je crois que je vous parlais comme si c'était un animal. Franchement, je vous refais la scène. Mais regardez ça, mais regardez... On dirait que je parle, vous savez, d'un animal qu'on voit pas souvent, un truc rare, tu vois, un truc qui sort de l'ordinaire, on va dire. Et on est là en train de l'observer, donc on sait pas trop ce qu'il fait, il se gratte le pied, on est là. Mais regardez, c'est impressionnant comme... Voilà, en fait c'est ça, voilà, c'est ce genre de personnes. En fait, ce sont des animaux rares, rares, mais en fait, on peut plus dire rares, parce qu'il y en a tellement dans le multi que c'est plus rare du tout. C'est nous, on devient, c'est nous c'est nous qu'on devient rare, en fait, dans le multi. À jouer propre, quoi. Je sais pas, mais franchement, où il est le plaisir de faire Curon, quoi. Mince. En tout cas, sincèrement, je l'ai bien puni. Que ça te serve de leçon. J'ai oublié ton nom et c'est pas plus mal. Et sincèrement, Hinata, Pino Francis, je te kiffe. Bah, rien que pour ça, parce que Hinata, en mode combo, c'était pas un combo infini, les gars. Comme ça, vous savez. Pour ceux qui veulent savoir, donc j'ai fait combo de base. Combo de base, j'ai
ninja move suivi d'un stick, et le stick je l'ai poursuivi, si vous voulez, d'un combo complet qui l'a permis en fait comme un abruti, enfin comme un animal finalement. Et du coup il s'est repris un combo en l'air et il a tout pris dans la face. Et j'aime bien finir sur un petit Kamehameha, un petit bon, peut-être pas Kamehameha, mais un bon petit truc bien corsé, voilà, qui sort des mains, c'est magnifique. C'est Hinata, les gars, ça nous fait 3 gueules, et en plus je l'ai pas pris en écolière, Sakura, bah c'est cool. Je me suis loupé, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Mignon, c'est cool, voilà, écolière, c'était rien que pour toi, Pinot, on va faire une troisième partie, moi je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, histoire de remettre la pâtée à ce genre de personnes. Ils en ont besoin, je pense, une petite correction. Allez, c'est parti. Alors, donc, pour ce troisième combat, j'ai rejoint Jalil Mehoud, je sais pas. Alors, Mifune, Kisame, Itachipon, j'espère que ça va pas être encore un Kisame, j'aime bien le dire comme ça, il y en a qui disent Kisame, moi j'ai dit Kisame, Kisame, on prononce pas le E, tu vois. Voilà, Kisame, dédicace le boss parce qu'il fait qu'il doit rigoler s'il voit ce petit passage, Kisame. Voilà, c'est notre petit Kisame à nous. Alors, Kisame... Oh, je vais arrêter, c'est dégueulasse. Ça doit vous faire mal aux oreilles. Alors, donc Hinata a des parties. Franchement, je déteste la prendre dans cette tenue que je trouve absolument... J'aime pas. Franchement, j'aime pas. Mais on va la prendre. On va la prendre, donc Hinata. Vous savez quoi, on va coller des bisous aux spammers. Allez, c'est parti. Hinata avec, cette fois-ci, on va prendre une petite team que j'aime bien. Offensif, bien évidemment. Voilà. Les détenteurs du Byakugan, une team que je recommande franchement. Bon, moi j'ai pris des offensifs parce que c'est deux défensifs qui proposent pour pas faire laguer quoi. Sinon, franchement, épique. Et qui team épique, je voulais dire en fait. Épique team, c'est bon aussi. Voilà, bon, il veut pas nous choisir la map. C'est des techniques de spammer, ça les gars. Vous faites pas avoir. Ils essayent de vous mettre une sorte de pression. Ouais, vous êtes commencé à vous énerver en mode allez, choisis la map, tu m'énerves. Et oh, qui ça, mais c'est pas. Bah ça fera 2 Kisame, voilà, en une partie, enfin en une vidéo, bah c'est pas mal hein. Allez, on va voir si celui-là est plus intelligent que... Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, on va se redresser en faisant attention. Par contre... Et bonjour à mon petit Neji. Alors attendez, parce que bon, on va voir ce qu'il fait, je sais pas. Bon, il permute pas et c'est pas plus mal parce que... Ah, je me suis... Ouh là 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 là. Ah, là, par contre... Allez, on bloque. Ça, c'est juste pour gagner un petit peu de sang. Un petit peu de temps. Allez, combo complet en espérant qu'il permute pas. Voilà. Par contre, il va peut-être essayer de se transformer. Alors là, faudra faire attention. Non oh. Voilà, les gars, ça c'est moi. Je suis tout le temps, franchement, dans ce genre de situation. Et j'ai peur qu'il se transforme, donc j'essaye de faire quelque chose. Donc là, je me suis fait piéger. Non, je vais pas perdre, vous inquiétez pas, les gars. On va faire ça bien, on va se concentrer. Alors, attendez, je vais attendre quand même que ses soutiens défensifs s'en vont. Qu'est-ce que tu fais mon gars, mais arrête. Je vais essayer de le provoquer, on va le chercher un petit peu. Allez, une petite chope, on va gagner un petit peu de temps. En espérant que ses soutiens s'en vont. Bah oui. Mince, j'espérais qu'il refasse son combo. Un jour, il faut faire quelque chose monsieur qui s'amuse avec ses yeux. Ah, dans les airs, je crois que c'est le moment d'attaquer. On va reculer, je pense. Et là, il va sûrement dasher. On gagne du temps, les gars. On fait ce qu'on peut. Voilà, on fait ce qu'on peut. Chacun son petit truc, moi. Allez. J'ai gagné. Franchement les gars, j'ai eu chaud parce que Kisame, il a vu que j'avais plus de permute.
Sale requin, bah. Tiens, moi, je te serre les dents, tiens. Allez, je te fais un bisou. Un petit bisou. Cadeau, c'est gratuit. Par contre, le requin, on me dirait, il a une gueule un peu bizarre, ce mec. Le mec, c'est un humain, mais il a une gueule de requin. Kizame, les gars. Non, bref. Wow, well played. Ok, franchement, merci, thank you. Voilà, si un jour, je sais pas, tu tombes sur cette vidéo, tu tombes dessus, merci. Parce que, bon, je me suis pris une spéciale un petit peu... j'ai eu un petit peu... Ouais, en fait, c'est moi, c'est la poisse, c'est comme ça. Wesh, c'est poisse, souvent. C'est souvent comme ça. Donc déjà, le fait que je tombe contre ce genre de personne, déjà, c'est qu'il faut avoir de la poisse. Enfin, quoique, dans le multi, c'est de la... on dirait plutôt... C'est plutôt de la chance de tomber sur des bonnes personnes. Voilà. Donc, tomber sur ce genre de personnes, c'est normal. Mais c'est de la vous avez de la chance quand vous tombez sur des bonnes personnes. Blague à part. Je disais quoi? Ouais, c'est ça en fait mon problème, c'est que je dis un truc, je vais sur un autre, puis je reviens sur truc, et puis j'oubliais ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas plus mal. Je crois que ça vous fera un petit peu de vacances pour vos oreilles. Je dis encore n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, Pilois Francis, c'était rien que pour toi. Trois parties. J'espère que tu vas aimer. Bon, deux Kizame, les gars, j'ai pas pu faire autrement, je suis désolé. Deux Kizame, ça fait deux fois plus d'eau, hein. Qu'est-ce que je raconte? Laissez tomber. Je kiffe. Détenteur du Byakugan, bon, Hinata un petit peu chelou, hein. On n'a pas besoin qu'elle se déshabille, donc tu vas te rhabiller Fissa. Ouais, sinon j'appelle Kabuto et ça va mal se passer entre vous deux. Après, moi, je vous laisse tranquille, hein. Moi, c'est votre délire. Non, je déconne, bon. Après, le regard de DJ, c'est pas trop ça, quoi. Il est chelou, quand même, le mec, hein. Posé comme ça, les bras qui pend. Fait rien, en vérité, bouge pas. Enfin bref, j'arrête, je vous jure, j'arrête. Puis non, Francis, je le répète, c'était rien que pour toi. J'espère que t'as aimé cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup pour ce dessin absolument magnifique, je le répète. Franchement, magnifique, de Hinata. Que dire d'autre à part, si t'en as d'autres à proposer, je suis partant. Franchement, ça me fait trop plaisir. Et puis, si toi qui regardes la vidéo... Non, oui, ça sera dit juste tout de suite après, en fait. Donc, ça rien que je me répète. Moi, je vous dis, ciao les gars. Portez-vous bien, c'était Wesh92, la patate, la persique, tout ce que vous voulez. Et je vous fais pas un bisou, mais c'est comme si c'était fait. Peace. Lol, quoi. Allez, donc mon premier adversaire, SonicNRT619, why not, voire statistique, Sasuke Madara Minato. Ah non, il veut pas jouer, c'est tout. C'est normal, c'est normal. Hinata-sama. Hé, l'artiste. Eh ouais, attends, avant que tu partes, si t'as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un pouce vert. C'est bien un pouce vert, c'est bien, mais encore mieux. Tiens, si t'as envie de participer, ou enfin, tout court, m'envoyer des dessins, voilà, parce que ça te fait plaisir, parce que t'as envie de montrer ce que tu sais faire, ben tu vas dans la description, il y a Twitter et Facebook, voilà, deux réseaux sociaux qui vont te permettre, ben justement, de m'envoyer tes dessins. C'est pas magnifique. Enfin bref, ça, on switch. Maintenant, il y a un écran qui s'affiche. Bah, si tu cliques dessus, tu verras le précédent épisode, justement, des Player Picks. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. C'était Wesh. Moi, je vous dis ciao. J'espère que tu vas cliquer parce que tu dois cliquer. C'est tout. Il faut que tu cliques. Je commence à ne plus avoir d'idées, hein. Vous cliquez, hein. Non, mais le mec, il faisait que rond, quoi.